crochet. Aujourd'hui, on va réaliser un motif. Alors, c'est un motif qui est hyper facile à réaliser, donc parfait pour celles et ceux qui débutent. J'ai utilisé un crochet de 4, comme ça, vous verrez au mieux comment on le crochette. Donc, ce sont des mailles serrées, mais donc vous allez voir dans le tutoriel comment on les pique. Après, en ce qui concerne la laine, la taille du crochet, bien évidemment, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez, comme d'habitude. Donc, je vous montre de plus près. C'est un motif super chouette, puisqu'il rend un aspect un peu épais, molletonné, comme ça. Je trouve très joli ce point. Donc, il est réversible. C'est le même de l'autre côté. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti, on commence. Alors, on commence avec une chaînette. Peu importe le nombre de mailles que vous avez, il n'y a pas besoin d'avoir un multiple. Donc là, moi, dans l'exemple que je vous propose, j'ai fait 36 mailles en l'air. Vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins. Donc, on vient commencer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et le premier rang, ça sera un rang de mailles serrées. Dans chaque chaînette, vous faites des mailles serrées jusqu'à la fin de votre rang. Donc là, c'est tout simple. De toute façon, ce motif, il est hyper simple à réaliser. Je vous laisse continuer. Ensuite, pour le second rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Donc là, maintenant, vous savez, dans une maille, il y a le brin avant et le brin arrière. Et donc, pour le second rang, on va faire des mailles serrées dans le brin arrière, sur tout le long. Je pique bien dans le brin arrière. Ainsi de suite. Voilà, donc on a terminé les deux premiers rangs. Pour le troisième, donc c'est celui-ci qu'il va falloir répéter en fonction de la longueur que vous voulez. Alors, on débute toujours avec une maille en l'air et on tourne. Donc toujours en maille serrée, on va de nouveau piquer. Alors je vous montre. Dans les brins arrière, donc là il y a le brin avant, le brin arrière, mais également dans le brin restant du rang précédent. Je vous montre ça bien. Les mailles serrées, il faudra qu'on les pique comme ceci. Vous voyez, le brin arrière et le brin restant du rang du dessous. Donc c'est pas compliqué, hein. Même pour celles et ceux qui débutent, c'est facile. Parce que là, je prends mon temps pour vous montrer. Donc brin arrière et le brin du dessous. Et ça va être ça sur tout le long. Et c'est ce rang-ci qu'il faudra répéter. Moi, je me mets un peu de travers, où je le tiens un petit peu comme ça, mais c'est facile, pas de panique. Donc là, brin arrière et brin restant du rang précédent. Et vous allez faire ça sur tout le long. J'espère que vous avez bien vu. Je vous remontre. Là, j'ai le brin arrière. Et là, j'ai le brin du dessous. Voilà. Ainsi de suite. Alors, le dernier, il est un petit peu caché. Il n'est pas facile à trouver. Je vous montre ça. Donc là, j'ai le brin avant, le brin arrière, qui est ici, et le brin du rang précédent qui est là. Vous voyez, celui-ci, le dernier, il est peut-être pas évident à trouver. Donc brin arrière, brin du dessus, je fais ma dernière maille serrée. Et ce que vous pouvez faire,
Donc maintenant on va répéter, une maille en l'air, on tourne, de nouveau on fait pareil, brin arrière, brin restant du rang précédent, je fais ma première maille serrée, et pour tout à l'heure le retrouver plus facilement, et ben vous vous mettez un petit marqueur, et le brin arrière il sera ici, le brin arrière il sera là plutôt. Il faudra faire la dernière maille serrée comme ceci. Voilà, j'espère vraiment que vous avez bien vu. Donc là, je répète. Brin arrière, brin restant. Ok. Donc c'est la dernière qui va peut-être poser problème. J'ai pas bien piqué celle-ci, je crois. Et donc vous vous mettez un marqueur pour si vous avez du mal à vous la retrouver. On va aller voir de l'autre côté. On peut faire pareil. Ah ben j'ai pas d'autre marqueur, mince. Vous voyez ici, elle est cachée, donc ça sera le brin qui est là, le brin arrière et le brin du rang précédent. Donc là vous pouvez vous mettre également un marqueur pour la retrouver plus facilement. Donc voilà, ça va être ça qui va falloir répéter. Donc, comme je le dis, hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous me voyez peut-être un peu galérer, mais quand je filme, je suis toujours un petit peu biscornue. Mais sinon, c'est très facile. En plus, vous voyez là, ça, je sais pas comment dire, mais ça plie un peu. Donc du coup, on voit carrément les deux brins. Et donc ça passe tout seul. Voilà. Je vous laisse continuer jusqu'à la hauteur voulue et puis ben, on se retrouve après. Moi je vais m'arrêter là, hein. Comme ça vous voyez bien le rendu final, donc de plus près. Et vous voyez ça donne un effet épais comme ça, un peu molletonné. Hyper chouette je trouve. Alors je sais pas si je l'ai dit, il est réversible, hein, c'est pareil des deux côtés. Donc si en plus on utilise une laine hyper douce pour une couverture, ça peut être plutôt chouette. Je le trouve joli ce point. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce motif vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Bye bye.